Nous sommes à l'ambassade de Tunisie, à Bruxelles, et nous avons l'honneur d'avoir avec nous donc l'initiateur de cette rencontre. Oui, si vous voulez, bonjour. Je salue tous vos téléspectateurs. Je suis Khaled Mhiri, je suis tunisien, né à Paris, ayant vécu mon enfance en Tunisie et puis mes études supérieures en France. J'ai fait l'école centrale de Lyon et je suis retourné en Tunisie travailler. Ça fait 20 ans que je suis actif et je suis venu cette semaine à Bruxelles pour promouvoir avec toute une équipe les services numériques tunisiens à l'adresse de partenaires belges que nous souhaitons approcher et voir les synergies de collaboration. Alors, les événements que nous avons prévus sont multiformes. Il s'agit d'abord d'une présence sur un salon professionnel qui est le salon InfoSecurity qui se tient le 26 et 27 mars à l'expo du côté du Heysel. Donc nous tenons un stand sur place avec une partie de notre équipe. Nous avons aussi recouru et reçu un accueil exceptionnel de notre ambassade ici à Bruxelles et on se trouve dans ces salons pour un cocktail de relations publiques. Donc c'est plutôt un parti informel et décontracté où d'un esprit convivial, nous essayons de nouer les premières rencontres et aussi nous faire connaître auprès du large public à travers votre média et à travers d'autres de vos confrères par rapport à notre initiative. Tout à fait. Donc on est en Belgique. La Belgique fait tout justement pour l'exportation, donc pour que ces entreprises puissent aller se développer à l'étranger. Et il y a donc la OEX, la FIT et la BECI qui financent et qui aident les entreprises à aller se rapprocher de la Tunisie. Cette fois-ci, vous êtes venu donc, car l'ambassade a réalisé cette initiative, cette rencontre aussi. Ça a changé donc depuis l'ancien gouvernement ? Je ne peux pas répondre d'une manière formelle sur votre question. En revanche, il y a effectivement une nouvelle forme de diplomatie économique qui peut-être n'était pas la priorité des anciens occupants de ces lieux. Mais en tout cas, moi je me félicite de l'accueil que j'ai trouvé aussi bien chez M. l'ambassadeur qu'auprès de toute l'équipe de l'ambassade, du consulat de Tunisie, et même de l'Office des Tunisiens à l'étranger, j'expliquerai pourquoi. Donc oui, peut-être. Mais par rapport aux organismes que vous avez cités, belges, qui promeuvent l'exportation, ce sont des partenaires. Il faut savoir que nous sommes deux pays de taille équivalente. Nous sommes deux pays qui sont dans des régions avec des économies plus fortes que les nôtres. Donc nous sommes dans l'obligation d'aller à l'extérieur pour trouver de la croissance. Donc il y a des similitudes, il y a des complémentarités, et c'est ce que nous sommes en train de chercher pendant ces deux journées de travail. Donc ce qu'on vient aujourd'hui, c'est une première approche, et nous sommes venus pour écouter, nous faire connaître aussi, et voir quelles sont les synergies possibles entre nos deux parties. Donc ça veut dire que depuis, je vais dire, le changement. À l'époque, les Européens venaient en Tunisie parce qu'il y avait des facilités et que la jeunesse est très présente et qu'il y a le soleil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de soleil en Europe en ce moment, mais il faut savoir que les économies belges sont estimées à peu près à 250 milliards d'euros. Ça, c'est la population, ce n'est pas le gouvernement, parce que le gouvernement, il est pauvre. Mais par contre, donc, ils sont à la recherche d'investissements à l'étranger et d'opérations. Alors, vous êtes dans une nouvelle technologie. La Tunisie est connue dans les nouvelles technologies depuis une certaine période. Est-ce qu'il y a des pôles, des villes, car on sait qu'aujourd'hui les Européens aussi s'intéressent à des villes bien précises. Est-ce qu'il y a une ville qui vous représente ici, que vous représentez ? Non, on n'est pas là pour représenter une ville. On est surtout là pour représenter les services de nos entreprises. Nous sommes des opérateurs privés.
Nous nous positionnons d'ailleurs comme un acteur sur le marché euro-méditerranéen. Et bien entendu, nous sommes socialement responsables par rapport à nos communes et notre environnement et la population qui nous entoure. Mais il ne s'agit pas non plus de faire du Mère Teresa, excusez-moi le terme. Nous sommes là pour faire du business et avec des opérateurs qui sont en face de nous. Et on n'est pas... Je voulais parler d'un pôle scientifique. Oui, je vais y arriver. Nous sommes effectivement basés tous autour de Tunis. Vous parlez de technologie de l'information. Effectivement, pour attirer des investisseurs dans les technologies de l'information, il faut disposer de moyens tels que l'infrastructure, des ressources humaines et un environnement de friendly business friendly. Donc, il est vrai que Tunis, en tant que capitale, a une certaine avance par rapport aux autres régions, mais il y a aussi d'autres pôles possibles en Tunisie. Il y a Sousse, Sfax, il y a aussi Nabeul, Bizerte, on peut même étendre ceci. Et vous aurez probablement tout à l'heure à interviewer mon ami et collègue Badreddine Wali, qui vous parlerait de Smart Tunisia, qui a ambition de créer 50 000 emplois dans les technologies de l'information et qui ferait de toute la Tunisie un cyberparc pour ça, et pas seulement une ville particulière. Dernier mot, parlant de Get It, et puis du programme aussi. Je vous remercie de m'avoir appelé de présenter Get IT. Get IT, c'est le groupement des entreprises tunisiennes IT. Il a été créé il y a 10 ans, en 2004, et il s'agit d'un GIE, d'un groupement d'intérêt économique, qui regroupe aujourd'hui 12 entreprises tunisiennes, qui sont dans des secteurs complémentaires. Ces 12 entreprises, en gros, emploient dans un millier de personnes, qui sont des ingénieurs, des techniciens, des consultants, dans plusieurs expertises, que ce soit en ingénierie logicielle, en solutions web, en applications mobiles, en solutions business, infrastructure ou relations clients. Et je voudrais quand même aussi dire un mot. Il ne s'agit pas non seulement de faire de la promotion classique de ce qu'on appelle l'offshoring, tel qu'on l'a connu, et telle qu'est connue la Tunisie d'être un lieu de sous-traitance à bas coût. Il s'agit surtout de promouvoir des compétences qui parfois peuvent faire défaut. On sait qu'en Europe, il y a une pénurie de compétences dans le numérique. Et aussi d'aller ensemble faire prospecter dans d'autres régions à forte croissance, en Afrique subsaharienne principalement. Merci. Donc on va suivre avec vous ce salon. Avec plaisir. Merci. بعد اللي ما هو سبا ما هو سبا بعد اللي ما هو سبا برتبي